Le bruit de l'hélicoptère a résonné dans toute la prison. Il est 11h30 ce matin. Depuis leur cellule, les détenus filment des hommes vêtus de noir courir dans les allées. C'est qu'elle est bien finie l'époque de oui-oui. Depuis j'ai vu pas mal de potes sombrer dans la drogue comme Arnold et Willy. Certains ont attrapé des bizarres tronches choquantes. À croire que dans les coins de leur tête, le shit s'est transformé en monstre aux plantes. Paranoïaque, mix de mégalomanie. Ils ont perdu leur couleur, ils tirent des mines de décalcomanie. Des traits de leur visage dévoilent cet enfer cellulaire. Entre leurs deux oreilles, j'entends souffler une tempête nébulaire. Mais y'aura pas de haricots magiques. Je pense qu'on veut nous divertir jusqu'à ce que nos cerveaux fassent la taille d'une micro-machine. Ils vont y parvenir, c'est certain, leur bispo. Peut-être qu'on est déjà dans le nouveau Flintstones. Des carburants humains de la machine à val. Ça parle d'économie de marché comme s'il s'agissait de la main de la famille Adams. Ils disent qu'elle marche seule, mais quand tu achèveras ta chute paumée, on sortira une Goku gadget au parachute doré. Ces gens la cartonnent pendant qu'ils nous en tuent. Faudrait qu'on tape la danse à Carlton. Ils veulent un tapis d'esclaves, ils aiment ça. Il se peut qu'après cette vie, ils auront tout le temps de pouvoir jouer à Capitaine Flamme. Les modèles d'aujourd'hui sont ceux qui te poussent à craindre. C'est pas par coup de la feinte, mais les gens bien, ça devient synonyme de je trouve pas dringue. Elles vont pas t'embrasser. Maintenant les meufs te mettent une tarte si tu débarques avec la vieille des gaines à framboisier. Est-ce que les choses ont vraiment changé? Ou est-ce moi qui ne suis plus le même? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Oui, le cash hypnotise. Oui, il peut changer le pire, t'es là sans Mary Poppins. Oui, ceux qui embrassent passent pour des archives prodiges. La longueur de leurs bras aurait de quoi rendre d'Alcine autiste. Le reste est traité comme des descendants de groupies, d'insignifiants de toupies. Voici les trames du futur nouveau monde sans cloudy. Mais qu'est-ce que tu veux que j'efface? J'ai conscience qu'on m'encode. Je sais que la Maison Blanche est devenue sanctuaire du grand pop. Je sais qu'on nous étrangle l'enfance. Au point que petit pied lui-même, s'il le pouvait, il squatte le clan des dents tranchantes. Mais je n'ai pas d'elle. Au fond, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse à part faire un travail sur moi-même? Témoigner d'une quête, ouais, la mienne, celle d'un cas de base. Pas de miracle, pas de haine, juste un partage. Je considère que si je perds cette quête, je suis mort. Donc je tente d'apprivoiser mon propre taureau de feu, tenir les rênes de ma dernière licorne. Est-ce que les choses ont vraiment changé? Ou est-ce moi qui ne suis plus le même?